Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de découverte de l'algorithme du simplex. C'est une vidéo qui a l'intention principalement de nos élèves de prépa à l'INP et aussi les élèves de Maxime à Lille. Alors les prérequis, c'est d'avoir fait vos premiers modèles de progression linéaire et d'avoir bien compris la résolution graphique. En fait, la vidéo va être en deux parties. Dans une première partie, on va appliquer l'algorithme sur l'exemple, le même exemple sur lequel on avait fait la résolution graphique, et je vous mets le lien aussi en vidéo là-dessus. Donc, première partie de la vidéo, on applique l'algorithme sur ce même exemple. Et deuxième partie, on prend un peu de recul, on pose des questions et on analyse un peu cet algorithme. Alors, je rappelle ici le programme linéaire sur lequel on avait travaillé et son interprétation géométrique. On avait trouvé une solution optimale au point 6, 4. On avait fait ça par résolution graphique et l'optimum valait 2200. Alors pour appliquer l'algorithme du simplex, on va réécrire ce programme linéaire en remplaçant les inégalités par des égalités. Si on considère la première ici, ce qu'on peut faire, c'est la chose suivante. On peut introduire une variable, dite une variable d'écart, E1, qui représente explicitement la différence entre le membre de gauche et le membre de droite. Donc qui représente explicitement l'écart pour cette inégalité. Donc ça, c'est une variable qui est positive ou nulle pour que la contrainte reste satisfaite. Donc simplement, on vient combler la quantité qui manque dans cette inégalité. Alors à partir du moment où E1 est positif ou nul, ben, on a bien une équivalence entre ces deux écritures. Et on peut faire ça pour chaque inégalité et obtenir le système suivant. Ça, c'est ce qu'on appelle la forme canonique avec les variables d'écart. Donc on a ajouté 5 variables, E1, E2, E3, E4, E5, qui doivent être positives. On l'a bien spécifié dans les domaines. Donc on est passé d'une représentation où il y avait deux variables à une représentation où il y en a ici 7, mais qui est équivalente. Et on peut aussi visualiser ces variables d'écart sur le dessin. Ici, j'ai mis E1 en vert parce que c'est la variable d'écart associée à la première contrainte. Donc quand on se déplace le long de cette contrainte verte, ici, E1 est nul, puisque cette contrainte est satisfaite à l'égalité, donc l'écart est nul. De la même façon, E2 est nul le long de la contrainte rouge, etc. Ça, c'est pratique parce que quand on considère un point extrême du polyèdre, par exemple celui-là, on voit tout de suite sur ce point-là quels sont les deux écarts qui sont nuls, E5 et E2, et on voit aussi ceux qui sont non nuls, c'est-à-dire ce point est à une certaine distance de la contrainte verte, bleue et rose. Donc E1, E3, E4 seront non nuls pour ce point-là. Alors, on peut aussi associer des variables aux contraintes de domaine ici. Quand on se déplace le long de cet axe, la variable qui est nulle, c'est la variable x1. Et quand on se déplace le long de cet axe, la variable qui est nulle, c'est la variable x2. Voilà, donc ça c'est pour avoir en tête l'interprétation, disons, géométrique de nos variables d'écart. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va à nouveau réécrire ça très légèrement de la façon suivante. Ici, j'ai simplement passé à droite toutes les expressions de x1 et x2 pour avoir ce système-là. Et ce système est intéressant parce que si on regarde bien, on a exprimé les variables E1, E2, E3, E4, E5 uniquement en fonction des variables x1, x2, et pas en fonction de l'une d'entre elles. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une base. On a ici des variables qui sont dites en base, E1 à E5, et les variables hors base sont x1 et x2. On va aussi représenter la base avec l'ensemble des variables correspondantes, les variables en base. Alors, ça, c'est cette écriture-là, c'est ce qu'on appelle un dictionnaire associé à une base. Je rappelle, donc c'est une reformulation du programme linéaire où les variables en base et la fonction objectif sont exprimées uniquement en fonction des variables hors base. Alors, pourquoi on fait ça? Parce que c'est très pratique. On peut mettre les variables x1, x2 à 0 et obtenir ce qu'on appelle une solution de base. Si on met x1 et x2, les variables hors base à 0, c'est-à-dire x1 et x2, eh bien, on peut lire dans les égalités qui restent directement les valeurs des variables en base. Et ces valeurs-là vont constituer une solution réalisable dans la mesure où les contraintes de domaine sont respectées. Ici, les écarts correspondants sont tous positifs ou nuls, donc les domaines sont respectés et on a bien une solution de base qui est dite réalisable et qui correspond à un point extrême de notre polyèdre qu'on peut visualiser sur notre dessin. Ici, x1 et x2 sont nuls, elles sont hors base, et on est sur ce point-là. Et on devrait avoir aussi E2 qui est nul, même si E2 est dans la base, et on peut le retrouver ici.
Donc attention, il y a des solutions de base qui peuvent être non réalisables. Si j'exprimais le programme linéaire sous forme de dictionnaire en ce point-là, pour cette base-là, ben j'aurais une variable E1 négative, parce que je suis passé de l'autre côté de la contrainte. Donc ça, ce serait une solution de base non réalisable. Enfin, ce serait une base non réalisable. Le simplex, lui, va se déplacer de base réalisable en base réalisable, de point extrême en point extrême. C'est ça qu'on va voir. Alors voilà donc un peu de vocabulaire et il faut encore le compléter. Donc dans cette expression, il y a une chose qu'on peut voir, c'est qu'on peut lire ici directement le coût de la solution de base courante. Ici c'est 0 puisqu'on a x1, x2 qui valent 0. Et enfin, dans cette expression-là, il y a un terme très important, c'est les coefficients qui se trouvent devant les variables hors base dans l'objectif. Ça c'est ce qu'on appelle le coût réduit d'une variable hors base. Donc si x1 augmente de epsilon, eh ben on va gagner 300 epsilon. Le coût réduit, c'est le gain unitaire pour une petite augmentation de la variable hors base correspondante. Alors pourquoi petite? Parce qu'il y a des contraintes qui vont limiter l'augmentation possible de x1. Donc ce coût unitaire est valable que dans un certain intervalle. Ça doit vous rappeler des choses sur l'analyse de sensibilité. Ainsi, j'augmente x1 ici, je vais partir vers la droite, je vais gagner 300 par unité d'augmentation, mais je vais être très vite limité, on le voit sur le schéma, par la contrainte verte. Donc ça n'est valable que dans un certain intervalle. Ce que va faire le simplex, c'est qu'il va augmenter la valeur courante de l'objectif en sélectionnant une variable hors base qui a un coût réduit positif, parce qu'on est en maximisation, donc on veut augmenter, et il va faire rentrer cette variable en base. Donc ici, c'est x1 qui va rentrer en base. Je rappelle, donc le simplex va passer d'une base à l'autre, il va faire des opérations de pivot. Donc il faut être un peu patient et voir l'algorithme itérer pour bien le comprendre. Donc soyez patient, je continue. Alors si x1 entre en base, ça veut dire qu'on va faire augmenter la valeur de x1 qui pour le moment était nulle. Mais il y a des contraintes qui limitent cette augmentation. La première contrainte ici nous dit que x1 ne peut pas être plus grande que 2, sinon E1 deviendrait négative. Si x1 dépassait la valeur 2, j'aurais E1 négative. Et ça, ce n'est pas possible hein, pour rester dans la région réalisable. Cette contrainte-là n'est pas limitante pour la croissance de x1, hein, puisqu'il y a un plus ici. Bah, effectivement, E2 s'associe à la contrainte rouge, donc si on augmente x1, on va se déplacer vers la droite, et ça, ce n'est pas du tout limitant. E3 est limitante, x1 ne peut pas être plus grande que 26 tiers, d'accord? Sinon E3 deviendrait négative. Et ici, x1 ne peut pas être plus grande que 7, sinon E4 deviendrait négative. Donc, la contrainte la plus limitante, c'est la première. Comme E1 doit être positive, x1 ne peut pas dépasser la valeur 2. Et ça nous indique la variable qui va sortir de base, c'est la variable E1. On va ramener la variable d'écart E1 à 0 pour pouvoir faire passer x1 à 2. Donc, on va passer de B1 à B2, nouvelle base dans laquelle on a remplacé E1 par x1. X1 entre en base, E1 sort de la base. Alors sur cette nouvelle base, il faut réécrire le programme linéaire sous forme de dictionnaire pour pouvoir lire la solution, le coût courant, etc. Donc comment on fait ça? Ben, on prend l'équation qui était limitante ici et on inverse nos deux variables. Donc ici, j'ai repris cette première égalité et j'ai exprimé x1 en fonction des deux autres. Donc j'ai simplement inversé la place de x1 et e1. Une fois que j'ai ça, ben, je peux remplacer x1 dans toutes mes autres contraintes pour avoir mon dictionnaire, pour avoir une expression uniquement en fonction des variables hors base que sont x2 et e1. Donc si je fais ça, si je remplace x1 par cette expression partout, ben voilà le système que j'obtiens. Il faut que je fasse ça aussi pour la fonction objectif, je remplace x1 par cette expression, et voilà l'objectif que j'obtiens. Voilà mon nouveau dictionnaire. Et là, j'ai bien exprimé ces variables uniquement en fonction des variables hors base de celles qui restent, c'est-à-dire x2 et e1. Et donc, je peux lire ma nouvelle solution de base qui correspond à un nouveau point extrême du polyèdre. J'ai mis x1 à 2, donc je me suis déplacé ici. Et c'est maintenant donc x2 et e1 qui sont nuls, qui sont nos deux variables hors base. Et voilà les écarts correspondants. Alors attention, sur mon schéma, ici, je ne peux pas lire vraiment la valeur d'un écart. C'est-à-dire l'écart E2 qui vaut 10 ici, je ne peux pas le lire comme la distance entre E2 et ce point-là, entre la droite rouge et ce point-là. Pour pouvoir le faire géométriquement, il faudrait que je ne suis pas dans le bon repère en fait. Il faudrait que je fasse un changement de repère pour pouvoir vraiment visualiser cet écart.
Donc ça, c'est souvent une question que vous avez et je pense peut-être on la traitera un jour dans une toute petite vidéo pour expliquer comment visualiser géométriquement les quantités exactes des écarts. Pour le moment, on n'en a pas besoin vraiment pour comprendre le simplex. Tout ce qu'il faut qu'on ait en tête, c'est que quand on est sur une droite ici, la variable associée est bien nulle. La variable d'écart associée est bien nulle. Alors maintenant, je vais pouvoir faire un nouveau pivot. Ça, c'était un premier pivot, une opération de pivot. Je vais pouvoir en faire un deuxième. Je recommence. Donc, je sélectionne. Donc, d'abord, je regarde l'objectif que j'ai atteint. Ici, z vaut 600. Et puis, je vais sélectionner une nouvelle variable hors base pour entrer en base. Et je vais en choisir une qui a un coût réduit positif puisque je veux faire augmenter mon objectif. Je suis en maximisation. Donc, je vais choisir x2 pour rentrer en base. Alors, quelles sont les contraintes qui limitent la croissance de x2? Les deux premières ne sont pas limitantes. J'ai celle-ci qui limite x2 à 6, ici à 5, et là, à 20 divisé par 5, x2 ne peut pas être plus grand que 4. Ces deux contraintes-là ne limitent pas la croissance de x2, puisque j'ai un signe plus ici. Donc, la contrainte la plus limitante, c'est celle associée à E3, c'est la contrainte bleue. Donc, on peut deviner déjà où je vais aller. Et ce qui m'indique que comme E3 doit rester positif pour rester dans la région réalisable, x2 ne peut pas dépasser la valeur 4. Et donc E3 sort de la base. Alors je continue mon pivot, ma deuxième itération. Donc ça veut dire que je remplace ici E3 par x2. Hein. E3 sort de la base, E3 sort et x2 rentre. Ça veut dire que je suis en train de me déplacer sur ce nouveau point, ici. Alors, pour le bien le voir, je vais réécrire le dictionnaire. Donc, l'équation qui était limitante, c'est celle-ci. Donc, je l'utilise pour exprimer x2 en fonction des nouvelles variables hors base, e3 et e1, et j'obtiens cette expression. Elle est un peu décalée là, mais c'est pour des raisons de place, hein. J'ai bien réécrit l'équation ici, sous cette forme, en mettant simplement x2 à gauche. Une fois que j'ai cette expression uniquement en fonction de E3 et E1, je peux la remplacer partout dans mes autres contraintes. Donc ici, ici, et ici, et ici. Et j'obtiens mon nouveau dictionnaire. Alors il faut quand même que je le fasse aussi pour la fonction objective. Donc je remplace x2 par cette expression. Et voilà l'expression de mon objectif. Donc voilà vraiment mon dictionnaire. Et je peux lire ma nouvelle solution de base, dans laquelle je retrouve bien donc x1 égale 6, ici maintenant, je me suis déplacé là, et x2 égale 4, et voilà les nouveaux écarts. E3 et E1 sont bien nuls, je suis bien à l'intersection des contraintes bleues et vertes. Là, je vérifie un peu ce que j'ai fait, j'ai aussi dans mon interprétation géométrique. Et si je regarde bien à ce stade, et bien en fait, tous les coûts réduits qui sont devant mes variables hors base sont négatifs. Ça veut dire que si je fais rentrer une de ces variables-là en base, ben je vais diminuer ma fonction objectif. Et donc j'ai atteint un maximum local. Et comme je suis dans un espace convexe, on s'en souvient, ce maximum local est aussi un maximum global. Et c'est ça qui indique à l'algorithme qu'il a terminé. Donc voilà le critère de terminaison de l'algorithme. Tous les coûts réduits ici sont négatifs hein, quand on est en maximisation. Voilà pour l'application de l'algorithme du simplex donc sur notre petit exemple. Alors, dans cette deuxième partie de la vidéo, on va essayer de prendre un peu de recul sur cet algorithme. Je vous ai remis à l'écran les éléments de vocabulaire qui permettent de parler des opérations du simplex et j'ai remis aussi notre interprétation géométrique de l'algorithme avec ses déplacements dans le polyèdre. On pourrait aussi visualiser ces déplacements en trois dimensions. Là, on était en deux dimensions et on a là une image d'Olivier Bonhomme qui était publiée dans un article du Monde il y a un ou deux ans. Et on voit aussi les déplacements de l'algorithme de point extrême en point extrême dans ce polyèdre en trois dimensions. Alors, on va essayer d'écrire les grandes lignes de l'algorithme pour résumer les idées. Première chose qu'il faut avoir en tête, c'est que chaque itération du simplex correspond à un dictionnaire associé à une base réalisable. Hein, on se déplace de base réalisable en base réalisable. On va écrire l'algorithme en maximisation. Hein, ce serait tout à fait symétrique en minimisation. La première étape, c'est d'identifier une base réalisable, hein, c'est l'initialisation. Sur notre exemple, on en avait une immédiate en mettant x1 et x2 à 0.
Mais ce point-là n'est pas nécessairement réalisable, hein, de façon générale, donc il faudra qu'on dise un mot de ça. Mais on suppose qu'on en a une. Ensuite, on a une condition de terminaison, c'est-à-dire que tant qu'il existe une variable hors base de coût réduit positif, on peut faire un pivot. Alors on se souvient que le coût réduit, ici, c'est l'augmentation unitaire de l'objectif pour une unité d'augmentation de la variable correspondante. Donc, si on a une telle variable, quand elle augmente, l'objectif augmente aussi et on n'est pas atteint un point, c'est qu'on n'a pas atteint un point extrême optimal. Donc s'il existe une telle variable, eh ben, on l'appelle alpha. Alpha va augmenter, mais son augmentation va être limitée par une autre variable, hein, liée à une contrainte, évidemment. Cette variable-là, c'est la variable sortante qu'on appelle bêta, c'est celle qui limite le plus la croissance de alpha. Donc quand alpha augmente, bêta diminue jusqu'à tomber à 0, parce qu'on vient de taper une nouvelle contrainte, un nouveau point extrême du polyèdre. Donc on a trouvé notre variable entrante et notre variable sortante, et on met à jour la base. On ajoute alpha dans la base et on retire bêta. Ça, c'est une opération de pivot, et en faisant ça, on a changé de dictionnaire. Alors ici, sur notre exemple, à chaque fois, on changeait de point extrême du polyèdre. J'ai mis plutôt changement de dictionnaire, c'est plus correct parce qu'on va voir dans quelques instants qu'on peut avoir plusieurs dictionnaires pour un même point extrême. Mais l'interprétation géométrique, c'est quand même ça, c'est qu'on se déplace dans le polyèdre. Et puis après, ben, on reformule la base sous forme de dictionnaire. Ça, c'est l'opération où il y a toute la complexité de l'algorithme. Il faut simplement qu'on fasse cette réécriture pour pouvoir accéder au coût réduit et aux éléments qui permettent de détecter bêta. Donc voilà les grandes lignes de notre algorithme. Alors, face à un algorithme comme ça, on peut quand même poser un certain nombre de questions. Donc ça, voilà les questions que j'ai envie de poser aujourd'hui. Et je pense que c'est des questions assez générales face à un algorithme qu'on peut avoir en tête. C'est toujours bon de s'interroger de cette façon. Le premier point important, c'est la terminaison. Est-ce que cet algorithme termine? Alors, il y a un premier cas qu'on peut avoir en tête, c'est est-ce qu'on peut avoir un polyèdre non borné? Oui, et en voilà un exemple en deux dimensions. Voilà mon polyèdre avec les contraintes orange, rouge, blanche et verte. Ce polyèdre, il est ouvert comme ça. Et si la direction de l'objectif part dans l'ouverture là, de ce polyèdre, eh bien, quand on fait, ici on a une première opération de pivot et la deuxième part à l'infini puisqu'elle n'est pas limitée par la moindre contrainte. Le polyèdre est ouvert de cette façon. Alors ça, c'est un polyèdre non borné et on peut le détecter au moment de la sélection de bêta. Il se peut qu'il n'existe aucune variable limitant la croissance de alpha. Dans ce cas-là, c'est qu'on a un problème non borné, il faudrait qu'on le détecte à ce moment-là. Voilà, donc il faudrait un peu modifier l'algorithme ici, mais apparemment, il n'y a rien de compliqué. Dans la vraie question de la terminaison, la question un peu plus subtile, c'est celle-ci. Est-ce qu'on peut revenir à une base déjà rencontrée? Alors si oui, c'est un vrai problème, parce que si on peut revenir à une base, c'est qu'on peut cycler. Et dans ce cas-là, on a une vraie difficulté avec cet algorithme. Alors ça, c'est une question vraiment importante parce que c'est lié à un phénomène qu'on appelle la dégénérescence, qui est un phénomène important, je pense, d'une façon générale, on pourrait dire en programmation linéaire, parce qu'on le retrouve souvent. Il a beaucoup de conséquences, on va dire. Alors j'aimerais prendre le temps de vous l'expliquer. Donc pour ça, je vais reprendre l'exemple initial au point de départ. Voilà le premier dictionnaire qu'on avait au point de départ. Et si vous vous souvenez, on avait fait rentrer x en base parce qu'elle a un coût réduit positif de 300 et on avait obtenu le comportement suivant. Mais on aurait pu tout aussi bien faire rentrer x2 en base. Et dans ce cas-là, parce qu'elle a un coût réduit positif, hein, 200, et dans ce cas-là, on aurait obtenu le trajet suivant. Et voyez que sur ce trajet de l'algorithme ici, on a un premier pivot qui reste en fait au même point du polyèdre. C'est ce qu'on appelle un pivot dégénéré. Alors j'aimerais qu'on le fasse ensemble, en fait, tout simplement pour bien comprendre ce qui se passe, pour bien comprendre ce premier pivot. Donc, faisons rentrer x2 en base et appliquons notre algorithme. Alors si x2 entre en base, on cherche la variable limitant le plus la croissance de x2. Ici, e5 limite la croissance de x2 à 6. E3 limite la croissance de x2 à 26 sur 2 à 13. Et ici, x2 est limité à 0. Donc la variable qui limite le plus la croissance de x2, c'est e2 ici. Et e2 doit sortir de la base. Alors, effectuons notre pivot. On prend cette contrainte. On réécrit x2 en fonction des variables hors base, e2 et x1. Et une fois qu'on a cette expression de x2 uniquement en fonction des variables hors base, on la remplace partout dans les autres contraintes et dans la fonction objectif.
De cette façon, on a notre nouveau dictionnaire, hein, avec les variables en base sont exprimées uniquement en fonction des variables hors base. Et là, on peut remarquer une chose intéressante, c'est que la fonction objectif courante n'a pas changé. On est resté à 0. On a changé de dictionnaire, mais on n'a pas changé de point extrême du polyèdre et la fonction objectif n'a pas bougé. En fait, x1 est nul parce qu'elle est hors base et x2 est en base mais est resté à 0. On avait x1 et x2 qui étaient nuls étant hors base au début et on est dans une situation où x1 et x2 sont toujours nuls même si on a changé de dictionnaire, changé de base. Donc ça, c'est un pivot dégénéré. Et si on y pense, ça peut se produire assez souvent. On peut prendre un petit exemple. On a ici un exemple toujours en dimension 2 avec 5 contraintes qui se croisent au même point. 1, 2, 3, 4, 5. Donc si on suppose qu'on est en dimension 2, on a deux variables hors base. Et mais sur ce point-là, on a donc beaucoup de dictionnaires, parce qu'on a autant de dictionnaires que de façons de prendre deux variables parmi 5. Donc on aurait ces 5-2, c'est-à-dire 10 dictionnaires pour un même point extrême. Hein, c'est une combinaison. Autant de manières d'en prendre deux parmi 5. Donc on peut avoir beaucoup de dictionnaires sur un même point extrême, et ça c'est problématique, parce que du coup on comprend bien qu'on pourrait cycler si on se débrouille mal en restant au même point. Alors, pour conclure là-dessus, avec un élément qui est utile pour vous, pour vos exercices, je pense, c'est la chose suivante. Ce qu'on peut avoir en tête, c'est que quand une variable est non nulle, alors c'est qu'elle est en base. Ça, c'est sûr. Mais on peut avoir des variables nulles en base. Autrement dit, c'est une implication, mais pas une équivalence. D'accord? Donc ça vous est utile quand pour vos exercices, je pense, d'avoir bien ça en tête. Donc voilà le phénomène de dégénérescence. Alors si je reviens à notre question, ben oui, c'est possible, mais on a quand même une solution, c'est d'être un peu systématique dans le choix de nos variables entrantes et sortantes pour pas que ça se produise. Ça, c'est ce qu'on appelle la règle de Blount. En fait, si on choisit des variables entrantes et sortantes dont les indices sont toujours les plus petits parmi les candidates, alors on est sûr qu'on va finir par, on va faire un certain nombre de pivots dégénérés peut-être, mais on va finir par sortir et accéder à un nouveau point extrême du polyèdre. Et avec cette règle, l'algorithme termine bien. Donc je mets une petite note aussi à ce niveau-là sur mon algorithme pour qu'on s'en souvienne. Voilà, ça c'était pour la terminaison. Alors, on va dire un mot de l'initialisation. Vous voyez, c'est pas difficile ça. Donc, on peut avoir un cas où la base 0, 0 n'est pas réalisable. J'ai fait un petit exemple ici, toujours en deux dimensions, et la région réalisable est ici, je ne sais pas si vous la voyez bien en vert un peu transparent. Alors là, on n'a pas de point de départ évident en mettant x1, x2 à 0. Donc ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on appelle la méthode des deux phases. On va appliquer le simplex dans un premier temps, mais avec une autre fonction objectif. Une fonction objectif qui représente la violation des contraintes. Alors, vous voyez qu'en ce point-là, c'est la contrainte rouge qui est violée. Donc son écart est négatif. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va introduire des variables artificielles qui représentent la violation des contraintes. Et qu'on va minimiser d'abord la somme des violations. Ici, il n'y aurait que celle de la contrainte rouge, je pense. Et donc si on applique le simplex en minimisant cette quantité, on va se déplacer progressivement jusqu'à ce qu'elle soit nulle et qu'on ait atteint un point extrême de la région réalisable. Ça, c'est la méthode des deux phases. On minimise d'abord la violation des contraintes et après, une fois qu'on a une base réalisable, on a fini notre initialisation et on remet l'objectif originel du problème et on continue notre simplex. Voilà, c'est pas plus difficile que ça. Alors, le troisième point, c'est l'optimalité. Pourquoi ce critère des coûts réduits positifs nous garantit qu'on est optimal? Alors là, j'ai pas l'argument, c'est l'argument de la convexité. C'est-à-dire que si j'ai atteint un point auquel toutes les directions voisines sont des directions dégradantes, c'est-à-dire que je suis sur un point et pour tous les points voisins, chaque fois que toutes les variables qui pourraient rentrer en base font dégrader l'objectif. Ben, j'ai atteint un maximum, ici on est en maximisation, qui est un maximum local. Hein, tous ces voisins ont un coût qui est moins bon, un objectif qui est moins bon. Et comme on optimise dans un espace convexe, un maximum local c'est aussi un maximum global. Donc c'est pour ça que ce critère est bien un critère d'optimalité, de terminaison sur une solution optimale. Alors pour bien comprendre ça, il faut avoir fait un peu d'optimisation convexe, mais je ne vais pas en dire plus maintenant. Mais l'argument qui permet de se convaincre de l'optimalité, c'est l'argument de la convexité. Alors je voudrais dire enfin un mot de la complexité. Cet algorithme termine donc avec la règle de Blount, mais qu'est-ce qui se passe au pire cas?
Donc, au pire cas, on pourrait explorer tous les dictionnaires du problème. Donc, examinons, pour comprendre la complexité au pire cas, combien est-ce qu'il y a de dictionnaires? On a ici à l'écran un exemple de dictionnaire. On avait deux variables dans notre problème d'origine et on en a introduit une par contrainte, les variables d'écart. Donc, on a sept variables en tout dans nos dictionnaires. En base, on a donc autant de variables que de contraintes, ici 5. Donc combien est-ce qu'on a de dictionnaires? Ben, on a autant de façons de choisir 5 variables parmi 7. Donc d'une façon générale, si j'ai m contraintes et n variables, le nombre de dictionnaires, c'est autant de façons de choisir m variables, puisque j'en ai autant que le nombre de contraintes parmi n plus m. Et cette quantité-là, c'est une quantité exponentielle en n et m. Donc on a un nombre de dictionnaires exponentiels et on peut construire des exemples pathologiques pour le simplex en loop qui le ferait explorer un nombre exponentiel de dictionnaires. Alors ça existe, donc c'est un mauvais algorithme du point de vue de la complexité au pire cas, mais en réalité c'est un algorithme extrêmement efficace en pratique et ces cas pathologiques, les pires cas, il faut vraiment les construire à la main. On les rencontre pas, je pense, vraiment, pratiquement pas ou pas du tout en pratique. Donc c'est un peu un cas particulier, cet algorithme du simplex, parce qu'il est très mauvais au sens de la complexité, de l'analyse de la complexité, de la théorie de la complexité, mais il est très très bon en pratique, en complexité moyenne. Alors pour la programmation linéaire, il existe un algorithme polynomial, un algorithme qui va passer à l'intérieur du polyèdre au lieu de suivre les bords, mais en fait, en pratique, cet algorithme est souvent moins efficace que le simplex, donc on continue à utiliser le simplex. Voilà. Alors, j'ai terminé ce que je voulais vous raconter sur le simplex. Souvenez-vous de ces bonnes questions à poser toujours sur un algorithme. Et ce que je vais faire, c'est que dans le dernier slide, je vais vous afficher la trace de l'algorithme avec ses pivots si on fait rentrer x2 en base au début sur notre exemple. Donc si vous voulez vous entraîner, vous reprenez l'exemple, vous faites rentrer x2 en base au début et puis vous aurez la correction sur ce dernier tableau. Voilà. Et donc je vous laisse sur ces derniers tableaux où on peut le lire dans ce sens-là, tous les pivots si on commence par faire rentrer x2 en base. Voilà, je vous souhaite donc une bonne journée.